Les années 90 sont marquées par l'effondrement du bloc soviétique et la fin de la guerre froide. Le monde change, mais la France se sécularise et la progression de l'évangile reste lente. Il faut trouver de nouveaux moyens et de nouveaux médias pour donner à nos contemporains une occasion d'entendre et de recevoir le message de l'évangile. Alors l'équipe élargit ses actions par des camps d'évangélisation d'été sur les plages de Biscarrosse ou de l'île de Ré. Au programme, camping, partage, enseignement, avec chaque jour des sorties d'évangélisation et la projection du film Jésus en plein air. Le Seigneur y accomplit chaque année de grandes choses. Des personnes l'acceptent dans leur vie et d'autres sont appelées à rejoindre l'équipe. En 91, 850 chrétiens de toutes dénominations répartis dans toute la France bénéficient d'une formation au témoignage personnel grâce au réseau de formateurs Témoins aujourd'hui et à la formation en vidéo réalisée par le ministère auprès des églises. La mission investit dans de nouveaux bureaux à Ozoir-la-Ferrière, en région parisienne, et dans de nouveaux outils d'évangélisation audiovisuelle avec Ron et Carole Dorksen. La Fédération Sport et Foi est créée et développe des liens encourageants avec les sportifs de haut niveau. Les actions sur Lyon reprennent un nouvel élan avec une nouvelle équipe. Jean-Claude et Nadia Girondin rejoignent le département d'action et de formation auprès des églises. Campus pour Christ devient Agapé France. Le travail de témoignage auprès des étudiants demeure le principal ministère. Les défis restent nombreux, mais les équipes persévèrent dans leurs actions d'évangélisation. Après une période difficile, la petite équipe de Lyon reçoit du renfort en 94 et 95. Cette nouvelle énergie permet de poursuivre les actions sur Lyon. Le feu d'artifice de cette décennie est la Coupe du Monde de foot de 1998. Pour cette occasion unique, un très vaste projet d'évangélisation se met en place avec plusieurs mouvements d'églises de toute la France. Du renfort vient de tous les pays du monde et des équipes de témoignages sont déployées dans toutes les villes de la compétition. Un matériel spécial est produit avec une version du film Jésus, incluant des témoignages de joueurs professionnels chrétiens. Des bus repeints pour l'occasion parcourent les rues des villes. C'est la fête. Tous les chrétiens unissent leurs efforts pour annoncer ensemble la bonne nouvelle de l'Évangile. En 1999, Gérard Lagny relève Francis Husson au poste de directeur national après 18 ans de service. Le premier site web d'évangélisation d'Agapé est créé. Il s'appelle « Qui est Jésus ?».